Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'était le Kino et il s'agit de la découverte de Heavy Bullets, un jeu avec des balles et qui ont l'air d'être un peu lourdes. Il me semble que c'est un roguelike. FPS roguelike. Donc on va voir ce que ça donne. From our customers are being attacked. Something is wrong with the mainframe. We can't afford to lose money like this. Someone has to get the mainframe on aid and figure what's going on. Ask the janitors. $5,000 should be enough. A lot of the employees will try dying. Yeah, they will. Give them a flashlight and it gets dark down there. Okay. Les clients se font attaquer. Il y a quelque chose qui va pas bien dans l'ordinateur, enfin dans le serveur. On peut pas se permettre de perdre de l'argent comme ça. Quelqu'un doit aller voir ce qui se passe. Demande aux nettoyeurs, aux hommes de maintenance, enfin au personnel de maintenance, $5,000 devraient être assez. Et file-leur une torche aussi. Il fait sombre. Qui se passe. Bon, déjà, ok. Déjà, on a un scénario béton. High rise hunting grounds. High rise are like terrible. Credit cards not accepted. They took. Okay. Bienvenue à High rise, les terrains de chasse. Un endroit sécurisé pour tuer. Les cartes de crédit sont pas acceptées. Putain, ça va vite, hein. Ça va vite. Les techniciens de surface, merci, Jadalci. Ça va vite. Apparemment, il y a. Oh! Faut que je récupère ma balle! D'accord. Ok, donc j'ai une balle boomerang. Enfin, même pas boomerang, il y a une balle à récupérer. C'est ça. Banking shops. Ok, d'accord. J'imagine que j'ai. Je sais pas, shop. Pardon, E. Last will discard. J'ai pas de thune de toute façon, donc ça change pas grand chose. Oh, non, si je tire contre le mur, je récupère. Ah, ah. Oh, il faut recharger une par une en fait. D'accord, cool. Balle ici, cool. On va monter un peu le son. Ah, c'est fort là. Ok. Oh, salut. Oh! On récupère les thunes sur le mob et la balle aussi. Tant qu'à faire, on va recharger. Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est? Ça sent que tu vas rire vu ce qu'il te vend. Ouais, je pense. Ah! Alors, le jeu m'a été offert par Fluffy. Je sais pas si t'es là, Fluffy, merci. Ah! Salut! Merci beaucoup, Fluffy. Ça fait tellement plaisir de jouer à FPS, mais pas au pad. Viens là, toi. Oh! C'est super rapide! Extrêmement rapide. Ça fait mal aux yeux tellement c'est rapide. Ok. Mais bordel. Mais vache. Une mine. Ah mais il me suit ce con. Ok. J'ai combien? J'ai 4. C'est vrai que l'assurance vie et les dernières volontés en fait, ça va. Shop bank. Je vais déposer. Je dépose tout parce que je vais crever. Pas grave. Storage. Ok. Oh, salut! Non! Non! C'est flash lui au fun hein, comme jeu. Flasher des balles, des bombes, des couteaux. Ok. C'est extrêmement flash lui au fun. C'est le moment de régler vos couleurs d'écran, les amis, j'avoue. Peut-être pas si mal que tu n'y joues pas une heure finalement. Je suis d'accord que visuellement c'est assez chargé. Ouais, hein. C'est chargé, je sais pas, c'est les couleurs qui sont. Oh putain!
C'est les couleurs qui sont chaudes. La pièce qui me suit. Oh, je vais aller banquer tout ça aussi. Visit. Non. Bank. C'est vrai, faut pas y jouer avec un casque VR, hein, je pense, là, parce que là, t'as les yeux qui saignent à la fin. Quoi. Non, non! You die. Thanks for playing. Vous avez atteint le niveau 1. 9 morts. Cool. Ils fournissent des pilules contre l'épilepsie avec ce jeu quand tu l'achètes. Non mais j'avoue, CDC, JLC et Pam, je suis d'accord avec vous. C'est coloré. On va voir. On va voir la suite. Mais c'est pas grave. Merci pour ta liste de giveaway, Kino, tu m'as fait découvrir plein de trucs. Cool. Ok, donc là on commence. Est-ce que... Alors la question c'est, est-ce que... On a gardé les thunes que j'ai banquées en fait. On va trouver une banque déjà en fait. Ah, salut! Les pièces qui sautent, je kiffe. En tout cas, oh là là! Oh là là! C'est là? Non, c'est pas là. En tout cas, le jeu est intéressant. J'aime bien les FPS roguelike. Il y a en cours. Oh, c'est... Oh! What? Ah! Comment je fais pour le buter, la tourelle de merde? Merde. Je vais crever. Ok, ça y est. Décidé, je vais crever. Comme je suis empoisonné. Mozart, yo, merci pour le boss. Fuck. Qu'est-ce... J'aimerais bien banquer mes thunes, là. Je vais acheter des chaussures pour courir, non. Il n'y a pas de soin, du soin. Mais en fait, le shift, c'est pas pour courir, le shift, c'est pour... Heal. J'ai pas assez. Le shift, c'est pour lancer les bombes, en fait. Non. Non plus. Yeah. Oh, salut. Comment ça va, Mozart? Cool. Ah là là. T'as trouvé ton bonheur? Oui, plusieurs, même je pense que je vais demander la clé de Dead State Reanimated. Il est bien en plus, faudrait que j'y joue. Je l'ai testé, mais ouais, c'est du RPG tactique, Dead State. Donc il a l'air cool. Hein. Après, on prétend que les devs prennent pas de drogue, bah là, c'est quand même particulier. Hein, au niveau couleur, en tout cas. Ça va bien, Mozart. Et merci beaucoup pour le host, bienvenue à tous ceux qui viennent de chez Mozart. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elkino, je stream de tout, un peu de tout. On est en plein milieu d'un live de 12h, donc le live dure jusqu'à 2h du matin, et spécial découverte, donc l'idée c'est de faire une découverte par heure. Là on est sur un jeu qui s'appelle Heavy Bullets, qui fait saigner les yeux, il a l'air... intéressant, c'est un roguelike, donc le but c'est quand même de crever et de débloquer des trucs. Pour l'instant on n'a pas débloqué grand chose, mais on est mort, ça c'est sûr. Mais bon, si t'es question d'utiliser l'utilité, tu serais intéressé pour que je les passe. Bah, si tu veux les offrir pour des giveaways, ou si tu veux me les offrir à moi si je les ai pas, oui, je suis toujours intéressé par des jeux. Des jeux c'est bien, mangez-en. Rebelle quasi, ça va bien, tu m'as stressé avec ton jeu l'utilité. Je suis désolé Mozart, t'arrives pile quand il y a un jeu stressant. Brutus le Brut. La musique du menu est ultra forte comparée au jeu. Brutus le Brut. Bienvenue chez les Kino. Merci beaucoup pour le follow.
J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu vas te plaire ici. On peut mettre le jeu en anglais en portugais apparemment. Bon. Continuer. Hein. Je pense que le fait que j'ai recommencé en fait va me niquer les thunes que j'ai chopé, mais bon. On va bien voir. Visuellement comme auditivement, je le trouve un peu agressif. C'est vrai, probablement un peu agressif, ouais. Je suis d'accord avec toi, Jadalci. Après, on vient d'un jeu qui est beaucoup, beaucoup moins agressif aussi. Breaking Wheel était plutôt super bien pensé niveau, niveau graphisme. Est-ce que j'ai une potion rouge? D'accord. Avec le follow de Brutus, ça veut dire que dans un follow, on fera un giveaway. Les gens, on arrivera bientôt à 1100. Ça. Passe le son. Il y a Sheltered qui est sympa aussi. Sheltered, ouais, il a l'air bien. Je sais plus si on l'a fait, Sheltered. Et si on l'a fait, je crois, déjà. Ouais, j'ai découvert avec la liste de giveaway aussi, je l'ai mise dans ma liste de soi. Cool. Hop là. Crève. Crève aussi. Non, crève, vraiment. Non, non. Oh putain, faut que je recharge. Putain, en fait, ce qui nique les yeux, c'est quand on est à 1 PV. Picard, ok, je trouve une clé. Bonjour. On est revenu ici, d'accord. Je passe à 1 PV, 1,5 PV au bout de 20 secondes. Dans... C'est un truc de ouf. C'est les tourelles. J'arrive pile poil pour le giveaway. Non, non, il y a bah, ah bah oui. Il va y avoir un giveaway puisque Johan, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue chez les Kino. Merci, merci. Ça va nous amener à 1100 du coup. Dès que ça s'affiche, dès que vous voyez ça qui s'affiche en haut, et ben on lancera le giveaway. Je vais crever encore une fois. Dame qui a fait un dessin et Pomme qui dit pauvre le kit. Je pense qu'on va aller voir le dessin de Dame du coup. Mon dieu. Ok, petite altab rapide. On va aller voir ça. Dame. Ah mais en plus, il y a mon... Est-ce que tu peux... Ah putain. Est-ce que tu peux me balancer le lien sur... Est-ce que tu peux rebalancer le lien sur le chat s'il te plaît, le lien de Dame. Rapidement. Mon Firefox a craqué. Sleep. Josiane, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue chez les Kino aussi. Ce jeu n'est pas adapté pour lire un chat en même temps. Non, j'arrête pas de die justement. Merci, merci aussi énormément pour ton follow. Bienvenue chez les Kino. Le giveaway n'est pas encore commencé. Non, effectivement, il commencera quand on le chiffre 1100 s'affichera en haut. Pour être sûr que nous sommes bien arrivés à 1100. En fait, pas c'est un dessin pour le chat et pas pour toi. Mais si je veux d'abord. Ok. Voilà. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice ci-jointe. Ah, mes yeux. Ah, mes yeux. Oh là 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 là. Allez, on y retourne. Ah, allez. Je me désabonne. pas mal. Ok. Bon. Trouvez la carte. Ok, on se concentre. Concentration. Oh là concentration là. Et... Oh là là, Parsi, merci beaucoup pour le host. Re-Parsi d'ailleurs. Oh, salut. Donc alors, on découvre le jeu, hein, ça fait à peu près 10 minutes qu'on est dessus. C'est un FPS roguelike avec des mécaniques assez particulières puisque on tire une balle, la balle tombe et on doit aller la récupérer. Il faut recharger le flingue balle par balle. Apparemment, on loot des sous et on peut acheter des objets. Le jeu est roguelike, c'est-à-dire que il faut mourir pour progresser. Putain.
puisque à chaque normalement après chaque run on récupère le principe du roguelike hein, on va récupérer des choses qui nous permettront d'être plus puissants au run d'après en fait. Ah salut. Ok. Donc voilà, ça s'appelle Heavy Bullets pour ceux qui sont intéressés. Et Johan, bienvenue à toi. Josiane, à vous deux, à vous trois, merci beaucoup pour les trois follow, ça fait plaisir. Et merci beaucoup à Mozart, du coup, pour le host qui nous apporte trois kinos de plus. C'est cool. Hop, 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 hop. Ok. Non. Alors, c'est ces tourelles-là qui me tuent depuis le début, quoi. Abusé. Ok. Mais je crois qu'on peut pas les détruire en fait. Je m'acharne à essayer de les détruire depuis tout à l'heure, mais on peut pas. Ah ! Quoi ? Pourquoi ? Sérieusement ? Il y a plein de thunes là partout. Ok. La quantité de lait nécessaire à la conception de ce jeu fait peur. Oui, je suis empoisonné maintenant en plus. Non. Salut. Salut, j'ai dit. Au revoir. A plus. Heal. Oh yes. Oh. Ouais, mais je suis toujours empoisonné. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire ça en fait. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche, bordel. Ok, non, putain. Oh putain, il y en a deux maintenant. Sérieusement? Ah là. Dans le même style de jeu, mais beaucoup moins piquant pour les yeux et les oreilles, il y a Bunker Punks. Mais en fait, ça me fait penser à un autre jeu qui s'appelle Tower. Je me rappelle plus. Tower quelque chose. C'est un FPS roguelike que j'adore. Et je pensais que celui-là allait me plaire, mais j'avoue que les couleurs piquent vraiment. Enfin, c'est vraiment difficile de vraiment être à fond dedans avec ces couleurs-là, quoi. C'est chaud. Cibler, yo, comment ça va? Mais en tout cas, le jeu est très. Merde, je suis con. À chaque fois, je fais échappe. Le jeu est très rapide, très fluide, très précis. Je pense que les amateurs de FPS compétitifs pourraient kiffer en fait. Mother, toi, peut-être. Après, il faut passer outre les couleurs, quoi. Ça, c'est clair. Mais je vois qu'il y a... Enfin, à mon avis, il y a certaines personnes qui devraient kiffer ce jeu. Tower of Guns, merci Brutus, c'est ça, Tower of Guns. J'y ai joué pas mal à Tower of Guns, j'adore. Mais il est beaucoup plus fun que celui-là. Alors après, reste à voir. Hein. Mais les tourelles là, putain, mais non, les tourelles pètent un peu les babales, je dois vous avouer. Ah merde, putain. Non. Il faut vraiment être au taquet, quoi. Vraiment être au taquet. Ça va bien, Cibler? Content de te voir ici. Ok. Tower of Guns, c'est franchement merde. Bon. Pas de tourelle ici, c'est bon? Non. Et alors, mais le truc, c'est que... Ah! Où ça? Le truc, c'est que c'est chaud de bien tester un jeu comme ça si on le fait pas dans la durée, en fait. Je dis à plus, mais j'arrive pas à quitter les streams. Mais il faut rester, Brutus, faut rester, qu'est-ce que tu... Il va y avoir un giveaway dans pas longtemps. Tiens, tu sais quoi? Je vais me lancer. Je lancerai à la fin du jeu, là. Et on va changer de jeu dans 10 minutes. 10, 12 minutes. On va passer sur un autre jeu qui m'a été offert par les développeurs qui s'appelle She Remembers Caterpillars. Il veut dire elle se rappelle des chenilles.
Qui a l'air d'être un jeu un puzzle. Je sais pas du tout exactement. Les gens qui l'ont comparé à Samorost, apparemment. Vu que Samorost, ça rocks, et ben. Ah, bien. Je peux pas, je dois aller manger. Ok, ça marche. On est live jusqu'à 12h en tout cas. Jusqu'à 2h du matin en tout cas, Brutus, si tu veux repasser. Tu seras le bienvenu. Pourquoi prendre de la drogue et jouer à Mount Your Friends? Ce jeu, c'est encore plus efficace que de la cocaïne. Bah, on va jouer à Mount Your Friends à 20h d'ailleurs. Pas longtemps là. Bonjour. Ces bestioles là sont ok. Ok. J'aimerais bien faire un run à peu près correct quand même, ça serait cool. Non, non! C'est fait. Quoi sert la potion? Comment est-ce qu'on utilise la potion? Le jeu, dis-moi. Dis-moi, comment utilise-t-on une potion? Space. Ah, ça m'a rendu de la vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, banking. Non, putain. Oh, bah donc ça marche! Donc on peut tout déposer les sous-sous pour par exemple un gros run. Là on est en mode farm, hein, et puis dès qu'on va faire un beau run, et ben hop, on prend tous les sous. On achète des objets. Ça l'idée, hein. What? Où ça? Non. Il y a encore une fucking tourelle quoi. Ah! Elle est là. Et on s'en fout, on se... Ah! Putain! Ah, je suis encore empoisonné, sérieusement, là. Je suis chopé méga bon. What? J'ai pas la carte pour changer de level. Putain. Oh, salut. Du soin, du soin, du soin. Ouais, mais j'ai plus de thunes, du coup. Ah bah, c'est ballot. Ah putain! Ok. Et quoi ça? Non, non, non! La cluster bomb qui fait mal. Voilà, là, 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 là. Je reviens dans 10 minutes. Ça marche, Brutus. Ah putain. Je vous annonce là officiellement que je ne continuerai pas ce jeu en live. Non pas qu'il soit mauvais, pas du tout, mais c'est trop pour moi là. Les couleurs, vraiment, j'ai du mal à m'y habituer, à m'y faire. Et qu'est-ce qui c'est dur aussi? Le Palant, c'est un truc pour repousser. Atom Heartquake, bienvenue à toi. Wesh à toi aussi. Comment ça va? Ok. Je pense vraiment que un fan de, enfin, ou quelqu'un qui est un peu dans les sur les FPS compétitifs, je le vois pas à chaque fois le vert, devrait pouvoir kiffer ce genre de jeu. Oh, c'est un objet ou l'autre en fait. D'accord. Bah, on va utiliser celui-là, puis je vais prendre ça. C'est fait. Banking. Bah, si tu veux, ouais. Et putain, chaque fois. Hein. Hein? Peut-être que je jouerai de mon côté, on va essayer. Toi, tu continues pas ce jeu en live, Elkilou? Oh là là, je suis déçu. Oh là là, Marc. Tu es déçu. Pas grave. Mais merde. Je le continuerai la nuit, rien que pour toi. Rien que pour toi, Marc. Merde. Merde. Ils ont ces charges. Okay, un heal, c'est 30. Non. J'aimerais bien tester le truc qui repousse là. Voir ce que ça donne. On va voir ça. Des mobs, des mobs, des mobs, des mobs. Ah, effet passif. Effet passif, d'accord. Du coup, ça veut dire que si je prends ça là,
J'ai plus le truc qui repousse, ok. Je me suis fait tuer avec la méga bombe tout à l'heure, j'ai pas la... Et reparsi, ça va bien? Comment s'est passé ton live, Parsi? Oh merde. Putain, mais vise! Elki qui vise pas. Elki sait pas viser, lol. Ok. Quel jeu, n'est-ce pas? Oh putain! Le truc le plus frustrant, c'est les tourelles à la con. Non. Oh. Non. Ah. 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 Putain de ta race. Ah. Oh, le supplice. Oh. Ah, c'est un... Non, mais sérieusement, hein. C'est pas un mauvais jeu, je pense. En essayant de rester objectif, ce n'est pas un mauvais jeu. Je pense qu'il y a une, il y a un type de joueur pour ce jeu. Voilà, à mon avis. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et pourtant, vu que j'avais kiffé Tower of Guns, je pensais que j'allais kiffer ça. Mais c'est trop. Ah putain. C'est trop. Voilà, c'est trop. Et j'ai... On va essayer de la buter la tourelle. Comment est-ce qu'on peut la détruire? Ah, il faut tirer sur le truc là. Ah bah voilà. GG. Allez. Oh non! Non, 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 non! Où ça? Ah. Ok, je pense que ça va être le dernier run. Vu l'heure. À moins que je rip dans, avant les deux dernières minutes du jeu. Oh, couteau. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait? On peut se battre corps à corps avec ça, nice. Oh! Putain! Voilà, donc dernier run. Ok. Effectivement, c'est pas plus mal qu'on était à la bourre avec le dernier jeu, parce que. Très honnêtement, je préfère Breaking Wheel. Hein. Bon, c'est pas le même type de jeu, mais je suis content d'avoir passé du temps sur Breaking Wheel et moins de temps sur Heavy Bullets. Mais je suis quand même déçu parce que j'avais des. J'avais espéré. Qu'il soit. Enfin, qu'il soit un peu mieux. Putain, il y a deux maintenant. Ah! Non! Non plus! Ah putain! Mmh. Ok. Ok, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Là, il faudrait une touche pour pouvoir se pencher. Ah, il y en a une autre. Ta race. Non. Mais merde. Ok. Il y a moyen d'être d'être pas mauvais, mais j'ai vraiment les yeux qui saignent, quoi. Un sac à dos. Un sac à dos. Qu'est-ce que c'est, un sac à dos. Je trouve que c'est super bien. Salut. J'aimerais bien finir un niveau, quand même. Ah, salut. Eh par un ver de terre, mais ouais, mais c'est ver de terre là, j'arrive pas à les voir en fait. Qu'est-ce que c'est ça, je sais pas. Une plante, voilà. Il est très bien ce jeu, vous lui reprochez
Que vous lui reprochez-vous en fait? Enfin, à part ses couleurs psychédéliques, son design gros taré de pixels, sa difficulté, ses monstres sortis tout droit du délire d'un rocker sous acide des années 60, sa musique limitée et sa bande sonore crispante. Ah non, rien! J'ai pas assez. Tout va bien en fait, tout va bien en fait, Marc. Ok. Non, non, mais vraiment, enfin, je pense que. Enfin, c'est difficile de rester objectif quand on n'aime pas quelque chose. Hein. C'est évident. Mais je pense vraiment. Je vais aller me soigner là par contre. J'ai assez. Je pense vraiment qu'il a, il a du potentiel en fait, pour certaines personnes. Et je dis pas ça pour déconner. Je suis sérieux. Et I'm dead serious. J'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'est. Quel kilo est-ce que t'as déjà Anomaly Warzone Earth? Tu peux regarder, Jadal, si tu peux même m'inviter si tu veux sur Steam. Si tu m'as pas déjà un ami, tu peux regarder mon profil, il est public et normalement tu verras tous les jeux, tu peux faire des recherches. Si on tire tout ça, ça fait un très bon jeu. Wow! Yes! Oh, ce snipe! Ok. Oh, il y en a un autre. Oh! Non, mais il y a moyen de devenir bon en fait! Ah! Putain, les vers de terre à la con! On les voit pas venir, quoi! Je suis désolé pour vos oreilles, les gens. Je voulais pas. Ah! Donc Anomaly Warzone Earth, ça me fait penser à un Tower Defense. Il me semble que c'est un Tower Defense, jeu d'Alcy. Je suis pas sûr. On n'est pas amis, je vais regarder parce que j'ai une clé sur Games Republic qui ferme définitivement le 31 janvier. D'accord, ok. Après, ouais. Mais ouais, hésite pas à m'ajouter, y'a pas de soucis. Voilà. Invitation reçue. J'accepterai ça tout à l'heure. Hop. Prendre ça plutôt que la méga bombe, elle me fait peur la méga bombe. Ah bah je vais banquer tout le bordel. Vas-y. Ouais. On va crever. Oh nom de Dieu! Niveau 2! Ah, j'ai envie de souffler là. Nom de Dieu. Nom de Dieu de nom de Dieu. Même s'il ferme, tu pourras l'ouvrir vu que t'as une clé. C'est un Tower Defense. Donc je crois que je l'ai. Allez. On va continuer, hein, puisque c'est toujours, on a dit, hein, dernier run, on a dit. Je vais. Ok. Donc il y a 8 niveaux, quoi. Le but du jeu, c'est d'aller faire 8 niveaux. Mais s'ils sont de plus en plus durs. Ah, mon avis! C'est pas une bonne idée! Oui, qui c'est là-bas? L'attrape! Juste avant que le tueur n'arrive. Ah! Putain de verre de con! Ah, salut! Je suis sûr qu'il y a plein de vers de terre, là. Ça sent le vers de terre à plein nez. Ça sent le vers de... Oh, c'est quoi ce truc-là? Ah, putain. Ah,
Ils auraient pu changer les couleurs pour le niveau 2, les 8 sont comme ça, je pense, ça fait partie de la. C'est la. La patte graphique du jeu, c'est ça en fait. New Best Run! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un jeu qui fait saigner les orbites, les hearts, ça s'appelle Heavy Bullets. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Si vous avez regardé la vidéo sur YouTube, c'était Delkino. Et c'était la découverte de Heavy Bullets. Merci. Et à bientôt.